salut à tous et bienvenue dans le 110e épisode de Arc Clusters. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, on se retrouve toujours dans notre base de Genesis partie 2. Et vous l'avez vu en intro, ça y est, l'event d'Halloween est terminé. Et surtout, on a affronté le Dodo Rex, ce qui fait qu'on a vaincu du côté de chez Skell la Dodo Wyvern dans ces épisodes. Et de mon côté, je vous ai proposé le Dodo Rex sous forme de petite cinématique sympathique. Ça fait plaisir. Et qui dit Dodo Rex dit évidemment Zombie Dodo. J'en ai... Waouh ! J'ai gardé une fusée. Level 290, il est incroyable. Il va à une vitesse folle. Et franchement, ça fait plaisir. Un petit Zombie Dodo qui dépop pas après l'event. Et bah, ça fait un sacré bail que c'est pas arrivé. Et bah, là, c'est plutôt cool. Du coup, je le mets dans sa cage, histoire qu'il court pas trop vite dans tous les sens. Hein. On va le garder en sécurité. Et donc, vous l'avez vu, j'ai affronté le Dodorex avec mon Deinonychus. Je commence à avoir des Deinos assez incroyables niveau mutation. J'ai actuellement, je crois, 15 mutations en vie et 27 mutations en dégâts. Et je continue d'incuber des œufs. Oh, je crois qu'on va partir en hyperespace. Il me semble que j'ai entendu un... Ouais, j'ai entendu du boucan, effectivement. Du coup, voilà, petite incubation des œufs. Alors, les 225, c'est clairement les mutations vie. Et si j'ai des 249, c'est les mutations dégâts. Donc, du coup, je recherche 2 levels en plus à chaque fois. 227 et 251. Bah, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ah si, oh, incroyable. Alors, celui-ci, il a pris une double mutation, mais pas dans la bonne stat. C'est rare que ça prenne des doubles mutations. Et c'est encore plus rare que ça prenne dans les bonnes stats. Mais là, pour le coup, ça ne m'intéresse pas. On va simplement déposer ça. Et on va continuer. Alors, j'ai l'avantage des Deinos. C'est comme les wyvernes, en fait. Les œufs mettent 7 jours à des pop. Du coup, je peux faire un petit stockage d'œufs. Et puis les incuber plus tard. Voilà, comme ça, au moins, j'ai une bonne réserve à incuber. J'ai juste à les mettre à l'intérieur de l'incubateur. Et regarder si on a des choses qui nous intéressent. Là, pour l'instant, rien du tout du 225. Ça ne m'intéresse absolument pas. Là, pareil, vraiment aucune mutation. Ah si, voilà, petite mutation, mais c'est pas la bonne. On attend les 62 points en vie, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Donc, ça part évidemment à la poubelle. Et bah voilà, ça y est, mutation vie supplémentaire, la 16e, ça fait plaisir. On va quand même vite regarder un petit peu ce qu'on a d'autre, peut-être qu'on a quelque chose qui nous intéresse. Là également une petite mutation, mais c'était une mutation de dégâts, ça ne nous intéresse pas sur cette œuf là. Donc, slot numéro 2, on va le garder, ce qui fait que je vais ramasser en fait tout le reste. On va laisser ça incuber tranquillement. Et nous, on a des alphas à tuer. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Mais comme vous le savez, les chibis rapportent des levels supplémentaires. Et je vous présente mon petit chibi qui rentre dans le téléporteur d'ailleurs. Un petit lézard épineux. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer avec ses vraies couleurs pour le coup. On va le mettre par ici. Il est absolument incroyable. Il a des super couleurs, un petit rouge comme ça, assez pâle, et ce petit violet au-dessus, un petit peu les couleurs. Bah, le rouge, c'est un petit peu ma couleur, et le violet, la couleur Askel, c'est plutôt sympa. Et bah, du coup, il est pour l'instant level 2, et j'ai envie d'aller l'entraîner. Et pour ça, on va prendre un Deino, et on va aller tuer des alphas. Et j'ai hâte de savoir si mes Deinos peuvent tuer, par exemple, un Rex Alpha. Ça pourrait être assez fou. On va tester ça. Je pense qu'il y a moyen de faire du spectacle. Bon, avant de tester un quelconque alpha, je vous propose une petite mission sur Genesis partie 1. On va affronter le T-Rex brutal de lave. Je pense que ça peut être très intéressant. Mission King Slayer. Évidemment, on va le tenter en gamma pour commencer. Je sais pas honnêtement ce qui va valoir ce Deino. En fait, c'est vraiment le couple mélangé donc des mutations vie et des mutations dégâts. Donc, on va vraiment voir ce que ça donne. Il a des couleurs plutôt sympas. Écoutez, il est assez flamboyant. Bon, avant d'affronter un quelconque alpha, je vous propose une petite mission sur Genesis partie 1. Il est temps d'affronter le King Slayer. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un Rex brutal. Alors, je sais pas si je fais bien de faire cette mission. Mais je me dis, c'est le bon plan pour tester notre Deino. Surtout que lui, c'est un mélange issu de mes deux mutations. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il est pas full life pour l'instant. Donc, on verra si ça vaut le coup. Au pire des cas,
J'ai toujours un gigano sur moi si je dois me dépatouiller d'une situation. Mais honnêtement, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'il y a moyen d'affronter ce Rex. Et oh, on suit les patounes. Je pense qu'il devrait pas tarder à apparaître. Oui, il est là. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Allez, on va l'affronter. Oh, ok. Je sais pas s'il prend ses saignements. Alors, on peut s'accrocher directement à son dos. Oh, attendez, il m'embarque. Oh merde. Ah ouais, d'accord, il est carrément parti avec moi. Hey, lâche-moi, toi. Lâchez-moi. Ça suffit. Voilà, bon débarras. Bon, on va resuivre les patounes et on va continuer la mission. Très intéressant, franchement, de s'accrocher sur le Rex. J'ai pas perdu beaucoup de vie. Ouais, ça peut être judicieux. Oh, deuxième round face au T-Rex. Allez, c'est parti, on va s'accrocher directement sur son dos. Et je crois qu'il est déjà en fuite. Ok. À la vache. Par contre, ouais, j'aurais dû te mettre en passif. Est-ce que tu serais pas coincé à tout hasard? Ah oui, carrément coincé. Bon, écoutez, on va le resuivre. Et puis, on va l'affronter une ultime fois. Et je crois qu'il aura des sbires avec lui. Si je dis pas de bêtises, je vais juste prendre les patounes que j'ai manquées. Allez, on suit les dernières pattes. Et cette fois-ci, on va mettre à terre ce Rex. Franchement, ça se passe plutôt bien. Et je pense honnêtement, avec une armée de Deinos ou avec les copains, ça peut être très intéressant. Surtout que là, ce Deino, il est pas beaucoup XP et tout. Donc ouais, il y a moyen de faire des très belles choses, je pense. Oh, les problèmes arrivent. Oui, un petit Magmazor sur le chemin. Eh ben écoutez, comment dire, on va s'accrocher à lui. Il fera peut-être moins chaud. Allez, et pour l'instant, ça se passe bien. Ah, il est 150 le Magmazor. Ok, ah là par contre ça va faire mal. Oh, ah bah non, ça a rien fait du tout. Oh, incroyable. Eh franchement, c'est pas plus mal d'être sur son dos. Alors, je vais juste reprendre un petit peu la stam. Et là honnêtement, je pense que le Rex il va vraiment pas tarder à apparaître. Je vais juste vider un peu mon inventaire parce que je suis vraiment trop chargé. Voilà, un petit level en plus dans les dégâts. Et maintenant, il est temps... Waouh, de l'affronter. Ok, il m'a spawn dessus. Bon, bah écoutez, je vais me mettre en hauteur, hein. Allez, le Rex, c'est bon. Et maintenant, on tombe sur les Raptors. Et ils sont vénères, les Raptors. Oh, ah, ils sont super vénères. Et mission réussie. Par contre, c'est bête que ça décèle toujours à la fin de la mission. Un peu dangereux, quand même. Allez, bim, mission accomplie. Et bon, par contre, j'ai looté vraiment rien de très intéressant. Allez, une petite dernière mission pour la route. Les allosaures. Oh, waouh! C'est quoi ces œufs là par terre? Ok. Bon, bah écoutez, on les prend, hein. ouais, une petite dernière mission. Les allosaures, je pense que ça peut être un bon challenge. Ils sont un tout petit peu plus énervés que les Rex. Alors, on est toujours en gamma, donc pour l'instant, pas de soucis. Mais ça me permet vraiment de prendre un petit peu la température côté Deino. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas trop mal. Allez, on va suivre encore une fois les patounes qui sont un peu galères, certes. Mais pourquoi il y a des cailloux par... Et vous voulez pas marcher sur les chemins? Ce serait plus pratique aussi. Allez, on y est presque. On y est... Oh, il est grand, il est beau. Et du coup, on s'accroche sur lui. Alors pour l'instant, il n'y a pas de saignement étant donné qu'il n'y a pas d'effet de meute. Mais sur le dernier round, c'est clair qu'il va y en avoir. Jusque-là, tout va bien en tout cas. Oh, là par contre, ça devient très tendu. Ah ouais, en plus il y a le truc, ok, vraiment on va s'éloigner. Il y a la zone qui asphyxie, il y a les magmazors à côté. Ah, ça craint l'endroit. Ah, l'endroit il était vraiment sale pour le coup. À faire très attention, hein, parce que là si c'est pour étouffer, c'est pas le but non plus. J'ai looté un petit breuvage par chance. Ah, j'aurais dû prendre ça. J'ai une chaudrée de Lazarus qui me donne plus d'oxygène, donc ouais. Je pense que, bah tiens, je vais la prendre maintenant, comme ça au moins on prend pas de risque. On a l'effet pendant 600 secondes, soit à peu près 10 minutes. Donc ouais, clairement, je pense que c'est pas trop mal. Attention Magmazor là. Oh la vache. Allez, on s'enfile. Ni vu ni connu. Et on se barre. Ok, on arrive au bout du chemin. On va pas tarder à croiser les allosaures. Alors celui-là, c'est un allosaure tout à fait normal. Mais je pense que d'ici quelques patounes, ça va être la guerre. Oh, ça va être la guerre, attention.
Apparition des allosaures. Oui, ils sont là. Nickel. C'est parti. Let's go. Allez, je me suis accroché directement. Et pour l'instant, je prends pas les saignements avec ça. Oh, c'est pas mal. Allez. Ok, là par contre, je suis au sol. Là, je prends les saignements. Ok, allez, on va tomber le premier. Nickel, on va tomber les deux suivants. On y est presque. Et ça fait sacrément mal, hein. Ah la vache. Oui, victoire. Bon, évidemment, je me suis fait déceler comme d'hab. Plateforme de titano. Non, merci, ça va. Pour l'instant, on est bon. Par contre, cool, deux potions d'oubli, ça c'est intéressant. Et beaucoup de merde. Allez, on va virer tout ça. On va rentrer avec ça, c'est parfait. Et bah, mission accomplie, en plus on a fait pas mal de level. Tiens, je vais mettre un petit peu plus de vie encore. Comme ça, il aura 4000 PV, c'est pas trop mal. Et puis surtout, déjà 1200 de dégâts de mêlée. On commence à avoir un bon Deino, ça fait plaisir. Et on est de retour sur Gen 2 avec encore des mutations. Oui, une mutation dégâts en plus sur le 253 qu'il y a là. Et une mutation vie en plus sur le 231, ça fait plaisir. D'ailleurs, 231, je suis quasiment à... J'en suis à deux mutations près, en fait. Pas du cap, mais de la 20e mutation qui fait qu'après, ce sera beaucoup plus lent. Tandis que 253, je suis à 13 mutations supplémentaires, je crois. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis à 9 supplémentaires. Ah ben, c'est franchement pas mal, hein. Ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, les mutations, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va en faire d'autres. Maintenant, pas mal de petites choses en préparation. Prochainement, en live, on va refaire Rockwell sur Aberration. Du coup, préparation de Megalosaur, préparation également de Stegotech. Hein, ça se fera en live, donc pas de souci. Vous l'avez déjà vu sur YouTube dans un des épisodes, donc on va pas le refaire. Mais voilà, ça avance bien. La cloning chamber, tout le monde l'utilise en fait pour cloner les fameuses wyvernes zombies. D'ailleurs, je vais ranger celle-ci directement dans le cryo fridge. Et ouais, c'est plutôt cool de pouvoir les cloner, ça fait plaisir. Ok. Et comme promis, nous allons affronter... un Rex Alpha, et pas n'importe quel Rex Alpha, un Rex Alpha level 130. Ah, ça craint un petit peu du côté de mon Deino, j'ai un peu peur pour lui. Mais bon, qui ne tente rien à rien, et ça me permettra de faire XP un petit peu ce chibi. Oh, non, tu, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Bon, on va y aller, on va aller discrètement lui grignoter un peu les pieds. Parce que, ok, bon, on va faire quelques saignements par-ci par-là. Attention. Alors, jusque là, ça va. Oh, vas-y, mange le mammouth. Oh, vas-y, en attendant, je te fais saigner discretos. Ah, c'est presque pas du jeu, ça. Oh, c'est presque pas du jeu. Allez, vas-y, on en profite. Par contre, je pense que, ouais, les saignements... Alors, attendez, on va regarder au niveau des plaies. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, en fait, de lui faire quelques petits saignements comme ça. Se barrer. Ouais, carrément. Allez, du coup, on y va. On s'accroche sur lui et on l'affronte. Incroyable, franchement. Ça fait méga plaisir de pouvoir combattre des Rex Alpha avec un Deino qui prenait pas de dégâts. Bon, maintenant, il va prendre un peu plus, vu qu'il a plus de stam. Allez, on va s'éloigner un petit peu. Voilà. On va peut-être le ramener sur des dinos autres. Oh, bah, il est sur Bambi. Excellent. Par contre, il saigne déjà beaucoup, hein. Incroyable. Je sais pas combien il a de vie. Est-ce qu'on peut voir? Il a... Oh! Est-ce qu'il a 98 000 PV? C'est possible. Ah, c'est bien possible, ouais. 98 000 PV, ouais, c'est beaucoup. Bah écoutez, ça fait plaisir. On est full stam, on va en profiter. On va directement s'accrocher. Et par contre, je préfère partir avant de plus avoir de stam. Par contre, c'est pratique, en fait. Quand un alpha, il mange un truc, genre... Ouais, on peut juste lui grignoter les pieds, ça marche très bien. Ah, abusé. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir. Oh, il va tomber déjà. Incroyable. Allez, attends, on va l'affronter pour de vrai, là. Allez, on y va. L'affrontement final. Eh bien, par là. Allez, on y est presque. Allez. Oh là là, il ressemble plus à rien. Il ne ressemble plus à rien. Par contre, il me met très cher, hein. Ah, il va vraiment falloir que j'ai plus de vie sur les Deinos. Mais oui, on l'a eu. Trop bien. Alors ouais, pratique à faire les alphas quand ils croquent un truc. Sinon, clairement, il me faut plus de vie sur les Deinos. Et d'ailleurs, mon Deino a XP. Il a pris qu'un level. Bon, je suis pas trop étonné. Un peu plus de dégâts de mêlée.
Le scorpion, tu... Naméo. Fous-moi la paix. Eh bien, écoutez, les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est un petit épisode où on fait un peu le point sur notre Dino de compétition. J'ai vu sur le chemin, je crois, des Raptors Alpha. Je vais aller me les faire. Ça fait toujours un peu plus d'XP, que ce soit pour moi ou pour le Chibi. Et waouh, tout le monde qui arrive là. Oh, nom de Dieu, c'est la guerre. Ah, bah tiens, petit Alpha, excellent. Là, par contre, il y a du monde. Hein. Oh, la vache. Oh la vache! Bref, rendez-vous au prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, bye bye tout le monde. Et moi, je finis de croquer tout le monde, la passer. Oh là, incroyable. Allez, zou! Du balai. On s'en va. Allez. Eh ben, nos deux dieux. Ah, puis très bien. Il y a encore un Raptor Alpha là-bas. C'est parfait. Ciao!